Seigneur, Agour Ayassi a été battu par Karachev en 5, 7, 6, 3, 6, 5, 3, 6, 4, 6. Dominic Thiem a été battu par Dimitrov 4-6, 4-6, 0-6. Yayovich. Me parle. A battu Vera. Non, non. Je verrai. C'est quoi? Yayovich a battu Vera. 6, 4, 6, 7, 3, 6. Djokovic a battu Raonic en 4, 7, 7, 6. Voilà. 4, 6, 6, 5, 6, 4. Cousse. A battu Vondrousova 2-7 à 0, 6-4, 6-2. Muguruza a été battu par Osaka 6-4, 4-6, 5-7. Sabalenka a été battu par Serena Williams 2-7 à 1, 4-6, 6-2, 4-6. Simone Halep a battu Swiatek 3-6, 6-1, 6-4. Suite du 32e de finale de la Coupe de France, Orléans, club de national, a été éliminé par Romorantin 2-1. Le Red Star a gagné face au FC 93 1-0. Saint-Philibert a été éliminé par Laval 3-1. Vénissieux a été éliminé par Annecy 1-0. Rouen a éliminé Rouen 1-0. Montpellier a battu Lyon 2-1 grâce à des buts de Savanier pour mon et Wally pour Montpellier contre un but de Paqueta pour Noël. À l'issue de la rencontre, Rudy Garcia a déclaré: nous avons manquer de réalisme sur les 30 premières secondes. Nous pouvons mettre deux buts. Nous avons eu un trou en terre. Ensuite, certainement dû au fait que Montpellier a mis plus d'impact, confisqué le ballon, Paqueta a égalisé sur la dynamique. C'était plutôt intéressant en seconde période, mais dans ce genre de match, il faut être plus réaliste. Montpellier n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais à marquer de but, il ne faut pas non plus commettre d'erreurs sur le second but. C'est une soirée sans réussite. Nous n'avons pas été efficace dans les deux surfaces de réparation. C'est un coup d'arrêt dans une course d'endurance comme nous le vivons. Il ne fallait pas perdre de points, mais même à nul n'était pas un bon résultat. Nous descendons au classement et le quatrième a la possibilité de se rapprocher. Il faudra aller gagner à Brest
pour aller de là-bas. Quand t'as tiens commandé, s'il est déclaré, on a bien démarré la rencontre, on peut mettre deux buts. Non. Quand Tatiana Gomendez, il a déclaré, c'est une déception totale, nous avons la victoire en main, me semble-t-il, mais nous avons pris deux buts alors que nos adversaires n'ont pas eu tant d'occasions. Montpellier mérite sa victoire et il faut nous remettre au travers, relever la tête, nous avons failli dans la finition. Il reste encore beaucoup de matchs et de points à prendre. Quant à nos défenseurs Ben Abri, il a déclaré, on n'a pas eu de chance aujourd'hui, ça ne voulait pas. On s'est pourtant créé beaucoup d'occasions alors que Montpellier n'en a eu que quelques-unes. On prépare tous nos matchs sérieusement. Le championnat est encore long. À noter que Montpellier, que Marcelo est sorti sur blessure, les autres scores sont: Monaco a fait un match nul 2-2 face à Lorient. Angers a fait 1-3 face à Nantes. Nîmes s'est imposé à Dijon 2-0. Strasbourg s'est imposé à Metz 2-1. Et Saint-Étienne s'est imposé à Rennes 2-0. On apprend que Arsenal est intéressé par la venue de Thiago Thomas. Il serait prêt à faire une offre de 25 millions pour l'attaquant du Sporting Portugal. Or, sa clause est fixée à 60 millions d'euros. De même, Arsenal aimerait se faire acheter définitivement Dani Ceballos, qui ne dispose pas d'option d'achat pour son prêt. Le Real Madrid pourrait accepter une proposition de 25 millions d'euros. Alessandro Pato s'est engagé avec la formation d'Orlando City. Lens, Sparta et Reims ont fait 1-1. Auxerre a été tenu en échec par Guingamp 1-1. Châteauroux a été battu par Le Havre 1-0. Nancy a battu Dunkerque à Dunkerque 2-1, Clermont a battu Chambier 1-0, Pau a fait match nul face au Paris FC 1-1, Troyes a battu Rodez 2-1, Grenoble a fait nul face à Amiens 0-0, enfin Caen s'est imposé face à Niort 1-0. Le Borussia Dortmund a concédé le match nul 2-2. Face à Hoffenheim, les buteurs sont Jadon Sancho et Haaland pour Dortmund, tandis que Hoffenheim a marqué par Dabur et Babou. De son côté, Leverkusen a craqué face à Mayence. Ils ont concédé le but de 2
Alors, ici, sur le buteur pour Leverkusen et Mayence a marqué par l'intermédiaire de Peter Bosz et Gyökeres et Thorgrim. En première ligne, Jürgen, lors du match de l'Estor face à Liverpool, avant le match, Jürgen Klopp a soutenu son gardien qui était affecté par ses bourdes durant le précédent match. Il a déclaré, nous avons bien sûr eu une petite discussion, il n'était pas content que cela se soit produit, mais il est très important de réaliser que les gardiens font une erreur dans une carrière. Pour un gardien de la qualité d'Alisson, il est assez rare qu'il fasse ce genre d'erreur, mais il en fallait deux. Mais il en fait deux. En un match, il n'y a eu aucune critique de la part de ses joueurs parce que tout le monde sait à quel point il est bon. Liverpool a perdu cette inclinée sur face à Leicester, les buteurs sont Salah pour Liverpool. Pour Leicester, les buteurs sont Vardy, Maddison et Achebarnes pour Leicester. À l'issue de la rencontre, Jürgen Klopp a admis, à l'issue de cette défaite, il a déclaré non, à propos du titre, non, honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse combler cet écart cette année, nous nous préoccupons du titre, nous ne sommes pas idiots. Nous avons un match difficile en huitième de finale aller contre Leipzig mercredi et puis samedi un autre derby contre Everton. C'est à cela que nous pensons et nous voulons encore avoir une saison positive. Nous ne cherchons pas d'excuses, beaucoup de choses comme de nombreuses blessures sont arrivées et c'est le jeu dans les moments où c'est difficile. Je sais que la seule issue est de bien jouer au foot, de se battre et de travailler dur, nous en sommes encore capables. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Nous devons continuer à le faire. Quant à Manchester City, ils ont gagné face à Tottenham 3-0. Rodri a ouvert la marque. Et Gundogan a inscrit un doublé. À l'issue de cette rencontre, Mourinho a déclaré pourquoi a-t-on joué son match le samedi alors qu'on pouvait le jouer dimanche? Il n'y a pas d'intérêt à aller dans cette direction. C'est aussi une semaine spéciale. Car on a joué 120 minutes contre Everton en Cup, ce qui a rendu très difficile de jouer à nouveau aujourd'hui. Je ne pense
une situation qui arrivera souvent, cette saison demain, c'est un jour de congé pour les joueurs, un premier jour de congé depuis bien longtemps. Et ensuite, on a 3 jours jusqu'au match de Ligue Europa, ce qui, je l'espère, va amener les joueurs à un niveau physique normal. Quant à Guardiola, il a déclaré à propos de Rodri, on lui a demandé s'il était le titreur attitré maintenant pour tirer les pénaux. Il a déclaré: non, j'admire son courage de prendre le pénalty, mais ce n'était pas un bon pénalty, je ne rigole pas. Cela m'inquiète, nous aurons un vrai spécialiste pour les transformer avec sérénité. Nous devons continuer à tenter. En Liga, l'Atlético a battu Grenade 2-1. Les buts sont signés Llorente et Correa pour l'Atlético. Quant à Grenade, ils ont marqué par l'intermédiaire d'Herrera. Le FC Barcelone a battu Alavés 5-1. Les buteurs sont un doublé de Trincão, un but de Messi, un but de Firpo contre une réalisation de Rioja. Doublé de Messi, plutôt. À noter 2 passes de Griezmann, 2 passes décisives de Griezmann. Et à noter aussi que Lionel Messi a inscrit 2 buts sur 2 superbes frappes de 20 mètres grâce à ces 2 nouvelles réalisations. L'attaquant du FC Barcelone porte à 66 buts marqués en dehors de la surface sur les 10 dernières saisons. Seules 2 équipes ont fait mieux que lui. Il s'agit du Real Madrid qui en a mis 112, alors que l'Atlético culmine à 76 buts. Le Bétis 62, le Barça sans Messi, le Real Sociedad des Valens en 56. Quant à l'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, après sa victoire, il a déclaré: nous sommes dans un bon moment. L'équipe se crée beaucoup d'occasions, on s'améliore dans beaucoup d'aspects du jeu. Le PSG est une grande équipe, mais ce 8e de finale me paraît assez déséquilibré. On va l'affronter avec beaucoup d'enthousiasme et on sait qu'on a besoin de se sentir bien pour passer physiquement. Je ne peux pas dire qu'on puisse arriver, que l'on arrive à ce match avec la meilleure forme de la saison physiquement. Parce qu'il nous manque pas mal de joueurs. Piqué, Coutinho, Ansu Fati, Sergio Roberto. Mais si j'avais eu tous mes joueurs disponibles, oui, ce serait le meilleur moment de la saison.
ajoutait son métis Léo est un joueur décisif. Depuis plusieurs années, il est très investi, très content. Il devient très réaliste. Quand on le cherche entre les lignes, il cherche de la profondeur, tout devient plus facile, sa vista est impressionnante pour aspirer à quelque chose et gagner ce match. Contre le PSG, on aura besoin non seulement d'un grand Messi, mais aussi de tous les autres dans leur meilleure forme. En Serie A, la Juventus a perdu face à Naples 1-0 grâce à un but de Insigne. À noter que Lorenzo Insigne est le seul joueur né en Italie à avoir inscrit 100 buts avec le Napoli. Quant au Milan AC, il s'est incliné sur la pelouse de la Spezia 2-0. Les buteurs sont Bastoni et Majoret. La imposé face à l'Udinese 3-0 grâce à un doublé du français Jordan Veretout et un but de Pedro. La Chanta s'est imposée face à Cagliari grâce à Luis Muriel 1-0. Quant au FC Porto, ils ont pris un point dans le derby contre Boa Vista. Ils ont fait 2-2. Jorge Bennett devient champion de Nouvelle-Zélande en cyclisme. Le record du monde du 5 km mixte est pour Béatrice Cheptegei à Monaco. Quant à la nouvelle présidente de la Fédération russe d'athlétisme, il s'agit de Adriana Privalova. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Le FC Séville s'est imposé face à Huesca grâce à Mounir El-Adadi. Quant à l'América Cáceres Foot, il a franchi la barre des 6 mètres à la perche pour la première fois. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.